J'espère que tu vas bien. Joyeux Noël. Bonne fête. En tout cas, bref, envoie le générique, comme ça on va comprendre les choses, tout simplement. Ok? C'est tout. Et avec toutes les conneries que j'ai pu faire dans ma vie, je me retrouve maintenant sur YouTube. Waouh! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! C'est incroyable. Bref, bienvenue dans Lolo Stories and Debrief ou Lolo Debrief and Stories. C'est quoi Lolo Debrief? C'est ça. Et tout simplement, je le mets dans la case où ça va être des gros fesses quand même. Moi, je vais vous parler et je vais tout simplement débriefer sur le Paris Saint-Germain, club le plus chiant du monde, je pense. Franchement. Qu'est-ce que tu sous-entends? Ouais. Étant supporter, franchement, on a vécu des galères. Et les 10 dernières années, on aura tout vécu. De la finale de la Ligue des Champions jusqu'à la remontada. Je sais pas qui en 10 ans a pu faire ça. Faut me le dire là tout de suite. Dites-le-moi dans les commentaires, mais moi je sais pas, je sais pas. Bref, en tout cas, tout simplement, le lot débrief, ça va être des gros sujets sur le Paris Saint-Germain, des matchs du Paris Saint-Germain qu'on va pouvoir voir. Et ça va être tout simplement mon débrief à ma façon, et vous allez tout simplement voir exactement qu'est-ce que j'en pense de Mauricio Pochettino. Bolos que tu es, garde la pêche toi. Voilà, ce sera ça le lot débrief. Après, derrière, il y a plein d'autres concepts qui pourraient arriver. Le lot débrief par rapport à des équipes qui peuvent être en Europe, notamment faire un petit tour du monde ou un petit tour d'Europe, à la façon after foot. L'Oréal qui part de foot, de match, de football. Et c'est ça, tout simplement. Ça va être ça. Qu'est-ce que ça va être le Lolo Stories? Vous allez voir, c'est pas si ingénieux que ça. Vous allez voir que c'est quelque chose de tout con. Je vais vous raconter beaucoup d'histoires qui vont être par rapport à ce que j'ai pu vivre dans ma vie, mais surtout autour du football, et notamment quelques petites surprises qui pourraient arriver. PSG Real Madrid en vlog. My God. Et j'ai hâte de vous en parler, et j'ai hâte de vous le montrer, tout simplement. C'est ça, la story. Qu'au final, en fait, tout simplement, c'était une petite vidéo d'introduction pour vous montrer comment ça va fonctionner, cette petite chaîne YouTube. J'espère que vous allez kiffer. J'espère que vous allez être beaucoup à me suivre. Les premières vidéos, d'être les premières secondes. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Lâchez un like, commentez, partagez, faites passer le mot à votre voisin, même si vous n'en avez pas, vous vivez tout seul. Je m'en fous, mais moi, je veux avoir... Je veux qu'on soit une grosse communauté, je veux que ça se passe comme ça. Et ça va être très très cool, et je pense que on va vivre une belle petite aventure. En tout cas, sinon, moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, et bien sûr, on se voit très très rapidement pour la prochaine vidéo qui sera sur le Paris Saint-Germain. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Prenez soin de vous, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, notamment un très bon nouvel an. Bisous. Ça, c'est pour Mauricio. Je me disais, mais c'est pas possible, t'as pas honte?